Bandi sakima na ikulu kitala lazalo waka penda moyo Bantu mafabanga tabizu vya lazaro Nitu fadinga na gana meshi Baka mwana lazaro ushuka baka lekelele vintu vienda Ningama nina sayasu mwimba na umoyu we baka kwena mututo Ujimua kushuka kwa kukanda mena Vintu vya vayi umulama Walu yeye kibuntu utufila kushali kibubidi mumoyu wa mutu yasu Dieu qui relève. Amen. Alléluia. Vous savez, à cet moment, oh, alléluia. Dieu t'a bougé de créer miracle. La foi crée le miracle. Même moi, en Afrique du Sud, je ne me fous pas. Moi, en Afrique du Sud, je n'ai pas amené de l'huile. Ou bien un fil pour lier les gens. Mais je vous donne une parole. Mais j'ai amené la parole. Parole plus foi égale miracle. La parole plus la foi est égale au miracle. Un miracle. Si tu veux voir le miracle, amène coup parole. Dis seulement amen à la parole. Comme on dit, il est magicien. Il est magicien. Mais je n'ai pas de magie. Je faisais des miracles. Mais c'est Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Mon Dieu change la vie à Bantu. Le Dieu qui a changé la vie des gens. Il retire. Il take away. Il relève. Il lift up. Nous comme nous sommes quoi nous mangeons quoi nous mangeons comme Bantu. De fait, il ne te fait pas voir aux gens. Mais un peu, tu cours retirer. Mais le Dieu tout-puissant te retire. Un peu, tu cours relever. Le Dieu te relève. Beaucoup battent, beaucoup te gênent pas grand. Pour te faire asseoir avec les grands. Mais dis-moi sur la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Parce qu'un dit enseigne. Because I'm teaching. Nous sur la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Kumbuka. Pour quitter. Kuluish. À la poussière. Kumbuka kubutu. Quitter aux fumières. Kuloku di bagra. Venir au grand. Kudini certaines démarches. Il y a deux démarches. Kudini malo de quel monde tu es. Il y a des choses que l'homme doit faire. Frère. Tu me dis monte kuluish. Quand l'homme est tôt à la poussière. Quel verset on doit tout en bémé. Le septième verset dit. Anna mumanya zambi bikola. On connaît beaucoup Dieu. Anu yomini zambi kujua appauvrir. Il dit que le Dieu qui appauvrit. Zambi kujua abaisse. Il est celui qui abaisse. Anuye moi là où le coup relève. Et qui relève. Zambi mwela. Le même Dieu. Ouezana quoi. Il fait comme ça. Où m'ont-ils retrouvé quand ils m'ont abaissement. Si tu te retrouves vraiment en abaissement. Où m'ont-ils retrouvé moi quand ils m'ont pauvreté. Tu te retrouves vraiment en bas. Une école. C'est une école. Une école. Ce n'est qu'une école. Zambi mwkati mwa kukusonga. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de t'enseigner. How do you work? Quand tu descends. Mais comment, Seigneur? Dis gloire au Seigneur. Je me retrouve toutes choses que je fais est bloquées. J'avais des choses à main, maintenant je suis vraiment vide. J'ai retrouvé un ministère et j'ai mis qu'elle bloqué qui ne progressait. Mon ministère ne progresse pas et est bloqué. Dis-moi, c'est ma chaîne. J'ai jeûné. Dis-moi, c'est mal. Je fais des choses. Mais tout s'arrête, tout est bloqué. But everything is blocked. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Lord, what's wrong? Dieu dit que tu es concours. Or when you wonder, Zambi me permet de bien toi. Le Dieu permet ces choses-là. Moi, je me permets. Pourquoi il a permis? C'est une école de Dieu. Il veut s'aimer quelque chose en toi. Tu es en train d'être humilié. C'est Dieu qui fait ça. Humiliation. Dans l'humiliation. Dieu veut façonner ton caractère. Pour que ton caractère. Humble. Tu sois quelqu'un humble. Humble. And humble. Or, Bible, et la Bible dit. L'humilité précède la gloire. The humility comes before the glory. Humble. Somebody humble. Tu te retrouves. Tu te retrouves. Sans rien. Où tu l'as trouvé? Il se retrouve. Mal miman. Les choses bloquées. Où tu vois le qui le monde moins. Il rentre en lui-même. Oh mon Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, Lord, what's wrong? Qui t'a créé ce moi dans mon chemin? C'est ça qu'a fait l'enfant prodigue. Ah, tu dis que Luke chapitre 15. Ah, Luke chapitre 15. Verset où tu me nous montres le moment bien certain. Oui, bitch. Que tu ne te bats pas toi. Verset 32. Mon quoi moi na? Un certain. Ou à moi na ou papa. C'était un fils d'un papa. Papa Wakadi riche. C'était un papa riche. Papa vous n'êtes plus à Bouni. Le père avait beaucoup de choses. Mais moi ne Wakadi tout comme un soup. Mais l'enfant sorti de la maison. Wakaya. Il alla. Hadi moi ne ouya. Quand il est parti. Moi le Dieu dit retrouver.
Il s'est retrouvé, tout ce qu'il faisait était bloqué. Il s'est retrouvé dans la pauvreté. Il s'est retrouvé dans la misère. Et puis, moi, je me dis comment? Et il dit comment? Même moi, nous riche. Moi et l'enfant d'un riche. Papa, ou dit le pain en abondance. Mon père a du pain en abondance. Amen. Alléluia. Zambie, mon coin, c'est le bon. Si Dieu fait quelque chose pour toi, tu ne dois pas abandonner l'église. L'église, c'est Bethléem. Dans l'église, il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance. Ici, il y a du pain en abondance. Il y a du pain en abondance. Ici, il y a la parole. Quand tu es dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Moi, tu m'as dit souffrir. Pourquoi je dois souffrir? Moi, le monde. Il est rentré en soi-même. Il n'a pas murmuré contre d'autres personnes. Brother and sister, à un certain moment, at once in life, the devil force. We give the power to the devil. À un certain moment, at once in life, the devil force. On donne au démon la force. Les démons ne peuvent rien à toi. Diable entend que l'enfant de Dieu ne peut rien pour toi. Il est rentré en soi-même. Moi, dit non. C'est dit non. J'ai quelque chose. I've got something. Mon Dieu, moins le papa. Ce que j'ai fait au papa. Du moins la Bible compare la quoi à Zam, ne compare la quoi à papa. Je fais du mal au devant de Dieu, au devant et au devant de mon père. N'inga le quel côté papa ouais. Je vais rentrer à mon père. Parce que dans la maison de mon père, il y a la fête et l'abondance. L'enfant est rentré à la maison de son père au travers de la repentance. Par la foi. Son grand frère était resté à la maison par la foi. Écoute deux grandes choses. La repentance et la foi. The repentance and the faith. Ils ont fait entrer deux enfants dans la fête. Et le grand enfant est entré en abondance. Parce qu'il a foi. Puisqu'il avait la foi. Le deuxième fils est rentré dans la fête. Il a quelque chose à porter sur ses enfants. Il mangea le petit dans. What is it? Il mange un cheval. Parce que Wakalu qui n'est pas la repentance. Puisqu'il est rentré par la repentance. Église télége. L'église écoute. Gloire. Pour entrer dans la gloire. Fête. Pour entrer dans la fête. Tout le par la repentance et la foi. On entre par la repentance et par la foi. Malou Abidjan. Les deux choses. Qui raille. C'est ça les rails. Rails, il y a déjà très loin et que les. C'est ça des rails qui font, qui transportent les trains de l'église. Ouais, église qui fait coup destination. Pour que l'église arrive à la destinée. Église qui fait coup gloire. Arrive à la gloire. Mais quelle église, quel rail? L'église doit être sur les rails. Rails à gauche. Les rails de gauche, c'est la repentance. C'est la repentance. Rails à droite, et celle de droite, c'est la foi. C'est la foi. Zambou du retire. Dieu retire. Ou du relève par la repentance. Il relève par la repentance. Quand quelqu'un pleure à l'église, comme on est assis, quelqu'un avec un costume, il est bien habillé. Il va pas regarder pour qu'il y ait pas de Dieu. Il est sur l'église. Ma femme est à l'église. Mais ou bien mon mari. Mais où tu le moi? Mais qui pleure? Seigneur. Seigneur. Dieu pardonne-moi. Mais j'ai abandon. Pour les pensées de personne. Mais mon tout, vraiment, où tu le moi? Où église? Mais c'est ton pleur à l'église, vraiment. Mais mon monde des esprits. Mais dans le monde d'esprit. Mon toi où tu fais un cœur. Cet homme-là est vainqueur. Puisqu'il est en relation avec Dieu. Quand Dieu te relève par la repentance. Dans la foi. Il t'amène à la table de grandes personnes par la foi. Ceux qui sont à la table, ce sont des géants. Dans la foi. Ce sont des grands dans la foi. Il te retire par la repentance. Et je commence à bagrand dans la foi. Il te fait entrer à la table de grands par la foi. Commence mon Dieu sur une kenda trône. À la table chacun a sa part. Mon Dieu sur une kenda kangoise. Chacun a sa chaise. Mon Dieu nous sommes encore sur mon Dieu toi. Personne ne va s'asseoir sous la perche. Mais nous tous. Mais nous tous. Vous êtes à 12. Quoi c'est du 12 commence. Chaises seront 12. C'est à dire. Means.
à cette table, toute personne est assise sur son trône de gloire avec les grands. Avec les grands. Before we read Psalm, il va t'asseoir sur le trône de gloire. Dieu fera quelque chose pour toi. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. Je vais encore ouvrir des choses ce soir. Tu verras des choses ce soir. Quand tu abordes les problèmes de ces deux fils. Dans Luc chapitre 15. Dieu dit à propos du christianisme. Nous sommes dans le christianisme. Mais christianisme authentique. Mais le christianisme authentique. Quand Jésus est venu sur la terre. Il a retrouvé le judaïsme. Il a trouvé le paganisme. Dans le judaïsme. On priait Dieu. Par les juifs. Quand il y a relation avec Dieu. Donc être en relation avec Dieu. Mon paganisme. Dans le paganisme. On va adorer créature au lieu d'adorer créateur. On a adoré des créatures au lieu d'adorer les créateurs. Jésus couronne de religion. Jésus a amené sa religion. Le christianisme. Son christianisme. Quand on le baptise que chez mon christianisme. Quand j'entre dans le christianisme. Christianisme. Le christianisme. C'est une relation. Is a relationship. Christianisme. Christianisme. C'est une alliance. Is a governance. Alliance entre père et fils. The governance between father and Hallelujah. Son. Hallelujah. Amen. Relation entre père et fils. Governance, a relationship between father and son. Frère et sœur. Brother and sister. Ou dit chrétien. Tu es chrétien. Ou dit mon christianisme. Tu es dans le christianisme. Zambi. Dieu. Ou Abraham. D'Abraham. Zambi. Dieu. Ou Isaac. Isaac. Zambi. Dieu. Ou Jacob. De Jacob. Papa Web. Il est ton père. Père Web. Il est ton père. Ou dit moi nous ensemble. Dieu est le fils de Dieu. Ou dit alliance ni Zambi. Tu es en alliance avec Dieu. Zambi mou j'ai engagé. Et Dieu s'est engagé. Pour que tu connaisses la gloire. Pour que la gloire de Dieu. Sera ta gloire. Tu peux acclamer pour Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, dis quoi la parenthèse, qu'est-ce que c'est tu es enchaînement. J'ouvre la petite parenthèse et on continue. Christianisme. Quand je parle à propos du christianisme. Christianisme. Le christianisme. Ou d'une deux branches. À deux branches. Ou d'une deux branches mineures. Deux branches mineures. Branche au compal. La première branche. Ou d'une liée que du moins de moins qu'un. Moins de moins qu'un. Elle est liée au fils, au petit-fils. Okay. Au cadet, c'est ça. Voilà. Où mon bande, tu gagnes ton bande. Merci. Thank you. Voilà. Moi le moins qu'on a fait sa prière. Le cadet a fait la prière. Moi le moins qu'on voit très fort mon prière. Puisqu'il était fort en prière. Moi écoute, papa, pêche, on y part. N'est allé au père, donne-moi ma part. Moi sa prière. Il a fait la prière. Branche du moins qu'on voit christianisme. C'est une branche du christianisme. Quelle branche? C'est quelle branche? Branche ou réveil. C'est la branche des réveils. Et évangélisation. Et la branche d'évangélisation. Moi, nous voulons réveil et évangélisation. Il s'est relevé avec l'évangélisation. Mais erreur au moine. Mais l'erreur de l'enfant. Il fallait que tout le monde y ait. Il fallait là où elle était. À évangéliser. Il devait évangéliser. Ah, papa, qu'on soit papa, qu'on débute bien à vous. À mon père, chez mon père, il y a beaucoup de choses. Que tout le monde a mieux. Change vos cœurs, change vos cœurs. Mais malheureusement. Moi, ni réveil. L'enfant avec le réveil. Ah, nous devons évangélisation. Il s'est perdu. Mon réveil évangélisation. Dans le réveil, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a la puissance du Saint-Esprit. On brille beaucoup. Quand tu es en Afrique du Sud, on évangélise. La puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit. Pour croire en Jésus. Pour que les gens croient en Jésus. Nous sommes ici pour évangéliser. Pour évangéliser. Pour que les gens acceptent Jésus. Et la vie. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Selon l'histoire. According to the history. Islam qui voit que vous voulez comprendre l'Afrique du Nord. Islam est entrer le premier en Afrique du Nord. C'était l'islam. Et toi, christianisme ou alors après. Le christianisme est venu après. Hadouba l'après. Quand il est venu après. Ben donc, comprenez que vous êtes le christianisme ou que vous le comprenez. C'est le christianisme qui est venu avant. Bah, que vous êtes l'Afrique du Nord, vous n'êtes pas chrétien. C'était des chrétiens en Afrique du Nord. Au lieu de s'unir. Au lieu d'évangéliser l'Afrique du Nord. Au lieu d'évangéliser l'Afrique du Nord. Quand toi dis pas il y a révélation. Ils ont commencé à discuter à propos de. Quand ils détruisent vos connaissances ou parole. Ils se sont détruits à cause de la connaissance de la parole. Quand ils affaiblissent vos bunkayabs. Ils se sont affaiblis eux-mêmes. Quand ils se sont affaiblis. Islam ou djouloua. Islam vain. Ou Sarnabantou affaibli. Et a trouvé des gens affaiblis. Les chrétiens affaiblis. Les chrétiens affaiblis. Pour des problèmes.
problèmes wampata, à cause des doutes. C'est pourquoi aujourd'hui Afrique du Nord, Mujim, toute l'Afrique du Nord appartient aux musulmans. Tous les pays de Maghreb appartient aux musulmans. Ici aujourd'hui, il y a des Africains arabisés. Il y a des avenues qui sont en arabe seulement. Arabisées, une Afrique arabisée. Et des choses qui sont arabisées seulement. C'est-à-dire un Africain vit comme un arabe en Afrique. Quelqu'un qui vit comme un arabe being in Africa. Pourquoi? Why? Parce que christianisme. Because Christianity. A perdu sa mission. A perdu sa mission. Afin que les rêves tout ce qu'on évangélise. Pour au lieu de, du rêve qu'on devait évangéliser. Tu nous puissances au Saint-Esprit. On a la puissance du Saint-Esprit. Imana hamba barbo yes. Ah, tiens-toi debout et parle à quelqu'un Jésus. Tiens-toi et prêche quelqu'un Jésus. Tiens-toi quelque part et crie à propos de Jésus. Jésus nous sauve. Jésus sauve. Jésus nous délivre. Jésus délivre. Jésus nous change. Jésus change. Dieu a une mission dans ce pays. La mission de Dieu t'appartient. Deuxième branche, ou christianisme. La deuxième branche de christianisme. Est liée au fils aîné. Elle liée au fils aîné. Fils aîné. Le fils aîné. Attaché aux paroles. Était attaché à la parole. Était obéissant aux ordres de son père. Branche du créer. C'est une branche qui s'est créée. Édification. À cause de l'édification. Et croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle. Édification. Édification. Par la parole. Through the word. Et puis croissance. Et la croissance. L'élu du monde de l'église. Aujourd'hui, vous êtes dans l'église. Branche bien rejetée. Ces deux branches sont rejetées. Une édification. Mais l'édification. On nous dit des paroles. Ils disent qu'ils ont la parole. Ah, quelle parole, frère. Ici, on a la parole. Ici, c'est la parole. Here is the word. Où t'as-tu mon branche? Mon frère, ici, c'est le charisme. Ici, c'est le réveil. Ici, c'est le réveil. Pas dit rejeté. Il s'est rejeté. Il faut maintenant que le père arrive. Il faut que le père arrive. Pour réconcilier les deux branches. To reconcile the two branches. Amen. Amen. Zaima nous bénisse chez moi, Afrique du Sud. May God bless you in South Africa. Amen. Bien réveil. Le réveil. Bien édification. Et ce de l'édification. Quand nous rejetons toi. Et ce ne se rejette pas. Mais si ce ne se rejette pas. C'est le fils d'une seule personne. Dieu à Kinshasa. On s'est retrouvé à une convention. On s'est retrouvé une fois à une convention. Je n'ai pas été invité là toi. Personne nous a invité. Bambani. Ah. Ils ont dit ici. Parole, frère. C'est seulement la parole. Bah, il va chercher la hambelle. Ceux qui sont restés à la maison. Parlez à propos d'un pasteur que je respecte beaucoup. Je ne veux pas. C'était un homme aussi ou à réveil. C'est un homme de réveil. Un aussi. Homme puissant. Et powerful man. Un homme puissant. Bah, mon frère, il va chercher la rien. Oh, il criait là. Parole, déjà. Ici, il y a seulement la parole. Bah, il va chercher la hambelle. Mais non, là-bas, il n'y a rien. Ceux qui étaient à la maison, ils ont dit là, il n'y a rien. Ah, puissance. He has the might. Mais il faut réconcilier les deux. Mais vous devez réconcilier les deux. Les deux appartiennent au même père. Amen. Amen. Acclame pour Jésus. Zanon. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Il retire les gens. Il les relève. Il les amène à la table. La table des grands. Après, et les gens partagent les trônes de gloire. Messe à bas grand. La table des grands. Fournisseur. Brother and sister. Si tu lis le livre d'Hébreux. Chapitre 11. Chapter 11. Verset 24. Verse 24. Say something. Je touchais le thème de devenir grand. J'ai touché le thème de devenir grand. Parce que disait vous retirer. Pauvre. Puisque quand le Dieu retire les pauvres, a dû relever, monte un indigent. Il relève un indigent. Oujoubate kakoumé ce n'est pas grand. Il est fait asseoir avec les grands. Bikel kwikala grand. Tu dois être grand. Kwikala géant. Être géant. Bible tchambane. Bible dit ceci. Mukando Hébreu m'affiche. La Bible est d'Hébreu. Le livre d'Hébreu. Moïse. Moïse. Kouchita par la foi. Par la foi. Wakalo muntu mukole. Devint grand. Wakalo munene. Devint grand. Ni waka découvri. Et a découvert. Mwaninji mwine ebel. Que je suis hébreu. Et après. And after. Moïse. Moïse. Waka benga. Il refusa. Wanikiba mubi kijine. D'être appelé. Moïse. Moïse. Mwana buluma. Fils.
de l'enfant de Pharaon. Quand j'étais enfant, on l'appelait, c'était comme il était petit-fils au Pharaon. La mère de Moïse était la fille de Pharaon. Moïse acceptait. Parce qu'il était enfant. Mais quand il grandit par la foi, quand il grandit, quand il devient grand, il a dit non. Même moi, je ne suis pas égyptien. Je ne suis pas égyptien. Mais moi, je suis hébreu. Et puis, wa 15 actions, wa 15 chimpes, wa ka refuser, wa ka rejeter. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Amen. Amen. Moïse est devenu grand. Moïse devint grand. Quand Dieu retire les gens qu'on appelle grands, grand coup du partager gloire. Les grands partagent la gloire. Grand coup du mona gloire. Il voit la gloire. Grand qui m'a dit. Ce n'est pas dans la chair. Mais mon foi. Mais dans la foi. Basé dans la foi. Par la foi. Devenir grand. Devenir grand. Mais. Amen. Ça va que Dieu te bénisse. Ok, merci. Mais comment tu m'as grandir mon foi? Comment on peut grandir dans la foi? Tu dois être quelqu'un grand et mature pour partager la gloire. Mais comment tu peux croître dans la foi? L'église de Jésus. La foi que tu as, c'est une semence. C'est une semence. Si tu lis les livres de Matthieu, chapitre 13, verset 31 à 32, dit ceci. Le royaume de Dieu est comme un grand cerveau. Les grains de sénévre, c'était un petit grain à tous les grains. Mais ces grains, quand il est semé, ces grains germent. Et il germe et devient un arbre, un grand arbre. Quand l'arbre grandit, les oiseaux viennent. Les oiseaux viennent de même. Ils viennent s'abriter là. Les oiseaux. Ils volent. Ils volent. Ils fendent d'autres arbres qui sont secs. Les oiseaux viennent. Ils sont en mouche ou en matambe. Et ça en dessous des arbres. Sous un grand arbre. Sur cette grande arbre. Il y avait un grand de sénévé. Parce que ce grain, c'est un petit grain, mais quand il est semé, il germe, et quand il germe, il croit, et quand il croit, il devient un grand arbre. Les oiseaux viennent d'eux-mêmes. Amen. 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 Si vous demeurez grand, les oiseaux viendront d'eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. On dit seulement Alléluia. On vient ici, on adore seulement le Seigneur. Les oiseaux viennent. Les oiseaux viennent. Afin d'ici de télège. Afin d'ici d'écoute. Soyez unis. Afin d'ici. Les problèmes qu'il y a, que les gens deviennent grands. Quand les gens deviennent grands à l'église, les oiseaux viennent de même. Les oiseaux viennent s'abriter sous les branches d'arbres. J'ai la foi. Même une fois. Moi j'ai la foi. Nyuni. Que les oiseaux Nyuni. Viendront ici. Nyuni. Les oiseaux Nyuni. Viendront dans cette église. Nyuni. Amen. Si tu dis amen, ça va se réaliser au nom de Jésus. Mais foi,
Mais on sème. Quand on sème la foi, la foi doit germer. La foi doit croître. Je vous fais la parenthèse. Dieu ne peut jamais faire quelque chose qui dépasse l'entendement de quelqu'un. Dieu ne peut jamais te montrer la gloire qui dépasse le niveau de ta foi. C'est le niveau de foi qui c'est la gloire. According to the level of the faith, according the glory. Quand ta foi augmente et la gloire augmente aussi. Quand tu lis la Bible, on parle de la foi. Mesure de foi. La mesure de la foi. Et toute la foi. Et toute la foi. Vous comprenez, il faut du progresser. La foi progresse. La foi. Faith. La mesure de foi. La the measure of faith. Toute la foi. Every faith. Faut du chakou grandir. La foi doit grandir. Elle doit croître. Quand elle croit, elle devient géant dans la foi. Quand tu deviens géant dans la foi, tu vas partager la gloire. Dis-moi la parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Jésus est Dieu tout-puissant. Jesus a mighty God. Dieu omnipotent, omniscient. A God which is everywhere and which is knowing everything. Trouve quelqu'un en difficulté. Fende quelqu'un en besoin. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais Jésus connaît que cette personne a des problèmes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur. Et la personne dit, Seigneur, je veux que mes yeux voient. Seigneur. Seigneur. Je veux que je sois guéri. Jésus dit amené. Jésus dit, "Bikwense kel." Qu'il te soit fait selon according to the dimension de ta bouche. According to the dimension of your faith. Tu veux guérison. You are seeking for the health. Tu veux succès. Tu veux le succès. Tu veux exploit. Tu veux l'exploit. Bikwense kel. It might selon dimension de foi. According to the dimension of your faith. C'est pourquoi. That's why. Tu dois faire grandir. Ta foi doit grandir. Tu te bouges. La foi. Tu dois beaucoup d'une foi. Vient de l'entendement. Jadija Kilisto. De la parole de Jésus. Tu te bouges. La foi. Tu dois d'une. Grandir. Ne couvrez-je Kilisto. En écoutant la parole. Fais tomber Goliath et l'a décapité. Quand vous souffrez le conseil, qui m'a mouillé man. Je vais donner conseil et je vais m'arrêter. Malheureux que la grande découverte nous abandonne du tout dans ma quête. D'autres choses c'est demain. Bible de mener. La Bible dit que David a tué Goliath. David a tué Goliath. Ou à quoi ça monte à Goliath? Il a coupé la tête de Goliath. Réaction à Saul. Saul. La réaction de Saul. Où tu mener? Dit que t'as tué de moi n'engagne. Quel est le père de cet enfant? T'as tué de moi n'engagne. Quel est son père? Dès qu'il est, il est et puis, Bible me dit, Isaïe, Wakadi Muntu Mukulumpe, Wakadi fatigué. Isaïe était un grand et il était fatigué. Quand il explore David, mais l'esprit de David, Wakesini Bakemba Kumanya Tatouen, a fait qu'on puisse connaître son père. Tatouen d'Angan. Dès qu'il est fils, David a moins d'exploit. David a fait l'exploit. Frère Nusser. Brother sister. Kibachini mon ministère. C'est pourquoi dans les ministères, le temps que Dieu commence à faire des choses pour toi, quand Dieu fait l'espoir pour toi, il y a la vie. N'oublie pas que quelqu'un fait quelque chose pour toi. N'oublie pas ce quelque chose là. Amen. L'espoir que tu fais, ce n'est pas ta concurrence avec ton père. Pour que ton père soit dans le terrain, qu'il soit reconnu aussi. L'espoir où tu connaîtras. L'espoir que tu connais. Peut faire que ton père soit bien. Amen. Amen. Oui, mon nom est l'église. Tu vas à l'église. Ça veut utiliser. Tu viens à l'église, Dieu t'utilise. Ça veut coûter ton guérison. Avec un don de guérison. Une prophétie. Oh, des prophéties. Sache que ton pasteur existe. Esploit web. Ton exploit. Est-ce que tu es un pasteur web? Fais avec déjà avec ton pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit que Saul est venu. Les femmes ont chanté une chanson. Bonjour les mamans. Bonsoir les mamans.
moments sont vraiment difficiles. Pour dire un pasteur comme Bouchima. Un pasteur en Bouchima. Moucha embrouillé, moi, mais sans bouillard, maman. Il s'est embrouillé à cause des cantiques de maman. Babouni, nous t'as tout le Il souffrait à l'église. A juste le mot église. Quand il est venu à l'église. Maman, mon pimbe, mais sans. Et maman chantait. Pasteur, que le béni du boulot. Le pasteur a levé ses deux doigts comme ça. Même coupé la pasteur pour bureau bien. J'ai appelé le pasteur à mon pasteur de mon église, mon quoi. Le pasteur de notre église. Le pasteur de Banan, mais vous pouvez le prêter, c'est web, nous ne m'attendons pas le pasteur de mon quoi. Il va m'en pire, mais ça, vous pouvez le prêter, mon pasteur, façon où tu me mets ça, vous. Mais il y a des mille coups. Je lui demande, pasteur, à ta bonne église, c'est que tu es là, pasteur. Mais tu es dans l'église, le moment chanté, et tu es là, 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 Quand David fait l'exploit, les mamans ont chanté. Ils ont dit Saoul, a tué un sang. Mais David, 10 000. Saoul était vraiment touché. Comment ils peuvent chanter David doit connaître l'exploit. David a connu l'exploit dans son cœur. Mais où va parole à Saoul? Écoute, les paroles de Saoul. David doit connaître l'exploit. David a connu de l'exploit. Maintenant, il lui reste l'exploit de devenir roi dans le royaume. Exploit roi David, une première gloire. L'exploit de David, c'est la première gloire. La seconde gloire, que le roi en Israël. Il reste le deuxième exploit qui est Saoul, le roi d'Israël. Saoul, où tu as message et tout. Saül a pris notre message. La seconde gloire. The second glory. Saül y a mené. David doit exploit. Aujourd'hui David a fait l'exploit. Quel est le David n'achète roi. Demain il deviendra roi. Mais Bible tu as mené. Mais la Bible dit. Mon malou en soir. Dans toutes ces choses. David waka lukil. David est rentré. Mon palais wa Saül. Dans le palais royal. Waka humilié. Il s'est humilié. Malgré vos exploits. Malgré il a la chevaux de gloire. Malgré il avait la gloire. Quand tu as servir Saoul. Il est rentré à servir Saoul. Allez, Zambi, vas-y nous connaître la gloire. Quand Dieu l'a mis. Aqui, mano.